Bonjour tout le monde, c'est Lunar, on est parti pour le 7ème épisode de Pokémon World en Nuzlocke Challenge. Donc là, on devait aller à Pauvre Sel, je crois. Ouais. Donc la dernière fois, il y a eu deux morts, c'est assez énorme. J'espère qu'on va bien s'en tirer cette fois. Parce que le second rival approche petit à petit. Mon plan avec Nénuphio a foiré et du coup voilà notre équipe actuelle. Donc Zatoon complètement inutile pour l'instant. Dans le chat, il récupère le multi-expérience. Je le récupérerai entre cet épisode et le prochain, vous inquiétez pas. Là, on va faire évoluer une hirondelle, c'est notre boost principal. Un petit piaf go. Voilà. Donc comme d'habitude, je tourne les épisodes d'affilée. Je ne vois pas trop vos commentaires, mais j'y répondrai. Donc normalement il n'y a pas de problème. Je crois que Nirondelle évolue au niveau 23, si je me trompe pas. Vérifier. Et on devrait normalement... Normalement, je m'avance pas. Capturer un nouveau Pokémon. Après... Vu comment la chance nous a souri au précédent épisode... j'espère que ça va s'améliorer. Bon. Je vais te montrer la puissance de mes Pokémon, mais ne viens pas pleurer. Ok, je risque pas de pleurer, à moins que tu mettes un Rekifox à niveau 30 ou je crois que il y a un Pokémon qui pourrait décimer toute mon équipe. Il réfléchit sur ce qu'il y a là. Ici, il y a un Pokémon non, électrique, ça fait pas trop d'effet. Roche, ça va. Un Pokémon vol, mais assez mal. Mais bon. Il faudrait... avant qu'on perde Pokémon, il faudrait qu'il y ait le niveau. Parce que là, on retombe sur des Pokémon niveau 12-13. Ah mais j'aurais dû passer par là avant d'aller faire la reine. Ça va être ça que j'ai du mal faire. Zut. Je regarde où est le bouton. Non, le bouton select il est pas là. Je regarderai où est le bouton select. La prochaine fois. Bon, disons que j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement pour l'épisode 6, donc j'espère que j'en aurai pas pour l'épisode 7. Surtout que là c'est bien parti, hein. Pas une raison que ça foire. Non, vraiment, je vois pas. S'il y a une raison, je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être. Bon. Notre Nuzlocke n'est pas aussi bien parti que le précédent, mais on avance tranquillement. Deux morts, c'est pas grand chose. Ouais, pour l'instant.
quelqu'un est cruel. Il devrait penser à être cruel en position, en première position. Résumé. Ah, il y a la puissance, c'est bien. Quoique je sais pas quand je vais l'utiliser, mais peut-être qu'un jour, si je joue avec de la chance, que j'aurai envie de tenter ma chance avec des cruels ou autre chose. Je crois que normalement, il y a une chance sur 8 de faire un coup de critique, mais quand on fait puissance, ça fait plus d'un huitième, donc ça fait 2 huitièmes. Quart. Et si on rajoute aussi d'autres boosts, ça fait à chaque fois plus 1/8. Faut que je revérifie tout ça. Et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Un quart de critique, c'est vraiment utile quand il y a beaucoup de Pokémon. Avec pas mal de défense. Sinon, ce qui peut être utile, c'est quand quelqu'un booste son attaque. Non, justement, booste sa défense. De s'en servir pour dépasser le boost en défense. Parce que, je le répète, les coups critiques ne prennent pas en compte les boosts défense. Bon, niveau 20, niveau 15, pas mal. Pour l'instant, aucun problème. Elle donne du sable doux. Quand on a Gobu, c'est largement recommandé. Mais avec Galifeu, je sais pas trop quand est-ce que je vais l'utiliser. Je crois que je vais quand même avoir un Pokémon de type sol. Si je regarde bien la carte, dans le désert. Donc c'est... dans pas mal d'épisodes. Bon. Ah mais j'ai oublié. Azurine il est type normal. Quoique Volvi sur Tentacool c'est assez dangereux parce que je crois qu'il peut avoir une capacité qui est, au lieu de faire gagner des points de vie, on fait perdre. Et donc ouais. Si j'ai, par exemple j'ai un coup critique et puis bim je le tue Ouais, quoi que... Non, il a... Non, c'est que la moitié des points de vie. Ça va. Heureusement que c'est pas la totalité. Déjà, l'attaque serait cheatée, mais en plus, ce serait dangereux sur des tentacules ou autre chose. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Je crois qu'il faut qu'on aille apporter un pack devant. Un certain captain. Donc on va le faire tout de suite. Ok. Regardez-moi ça. C'est trop drôle. C'est tellement mal dessiné. Zig ? Bah heureusement que t'as le point d'interrogation, on n'est pas sûr que ça soit un zigzaton ça. Non je plaisante, pour l'époque c'est vachement bien dessiné. Ok, pack devant. Ok il est sorti, le capitaine coupé.
Poupée? Poupée? Captain Poupée? Qui est Captain Poupée? Donc. Faut rentrer. Ouais, ça va. Pas de problème. Bienvenue au musée, Osun. Coûte 50 poké, dollars. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le membre de la team Aqua que tu as affronté, tu te souviens? Tiens, prends ça et pardonne-moi, c'était Candice. Je ne sais pas ce que c'est. Sage, alors, c'était Larsin. Ah, mais oui, c'est pas mal. Qui je veux là-bas? Oh, tiens. Petit piaf. Bah... Puissance. Ça me servira quand? Bah ça me servira sur les Pokémon sauvages. Mais bon, je pense pas que je vais faire du farm d'objets. Hein. Avant d'arriver là, faut quand même que je sois très désespéré. On ferme du farm d'objets. Surtout que le farm d'objets, ça sert à quoi? Les écailles cœur que je crois on trouve... je ne sais plus où. Les objets pour les échanges, je crois. Il y a les dents océans et autres. Qui sont intéressants. Je suis pas sûr qu'on puisse trouver des pierres en farm. Mais bon, vu le nombre de Pokémon, si les Pokémon qui évoluent par pierre crèvent comme Nelupio, c'est vraiment... Non, ça me servira pas. 9 Serpty, donc, petit piaf go. Gel. Normalement, il devrait évoluer d'ici un ou deux niveaux. Niveau 23, je crois, j'ai dit. Ouais, donc ce sera niveau 23. Bon. Donc. Je venais voir pourquoi vous mettiez tant de temps à récupérer les pièces, et je constate que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la team Aqua, et nous adorons la mer. Moi je suis Arthur, le leader de la team Aqua. Dis-moi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu, appartiendrais-tu à la team Magma? Non, ce n'est pas possible, tu ne portes pas leur uniforme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. Le but premier de la team Aqua est l'expansion de la mer. Nous défendons une noble cause, tu ne crois pas? Ah oui, tu es trop jeune pour comprendre. Ça ne facilite pas les choses que tu ne comprennes pas nos idéaux. Mais je te préviens, ne t'avise pas de te mêler encore de nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce conseil. Captain, tu es... Ah oui, tu es Luna. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu avais apporté les pièces de devant. Il a remis le pack devant. Zou, il n'y a pas de temps à perdre. Faut qu'on prépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. Mais n'hésite pas à jeter un œil ici si tu as envie. Je rêve ou à chaque fois ils soignent les Pokémon. Ah lui, mais il m'énerve. Ah Scott, il m'énerve. Franchement, c'est le personnage qui sert à rien qu'ils ont rajouté dans Emerald pour te couper dans l'action. C'est juste ça?
Ils te combattent jamais, eux. Il sert à rien. Il est juste venu dire, oh, tu es un dresseur. T'as pas commencé depuis longtemps? Ah sérieux, c'est mon premier épisode. Non. Faut arrêter. Faut arrêter. Bon. C'est bien Lunar. Par contre, le Pokénav, il a une utilisation très importante, c'est pour recombattre un peu les dresseurs. Donc là, on se met en mode capture, champi premier. Je viens de me rappeler la capture ratée de la dernière fois, et je viens de constater que nous avions pas beaucoup de Pokéballs. Pokéballs. On va en prendre 10. Non mais 20. Ah oui, on avait 0 Pokéball. Non mais il est pas bien. Il va attraper un Pokémon sans Pokéball. Heureusement que j'y suis pas allé. Allez hop. Donc Pokémon inutile. Bon, ça fera du level up. Ok, avec ce rythme là. Ouais, je vais mettre Galifeu. Utiliser double pièce, ça va être plus rapide. Champipi. Le jeu. Bah voilà. Bon. Attends, je regarde. Maman, mais c'est mauvais. Bon bah. Je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Pleurer. Mais regardez-moi ça, j'ai juste un petit Négapi qui sert à rien. J'ai même pas envie d'essayer de l'attraper. Mais bon. Comme on dit, on va pas passer à côté d'une capture. Déjà que notre équipe est assez mal en point, mais en plus si on tombe sur des Négapi. Bon, ok, Nénuptio, il est facilement remplaçable. On peut facilement retrouver des Pokémon Spectre ouais, vers la fin de l'aventure. Là, j'ai suffisamment de Super Ball avant la prochaine capture. Voilà un Négapi. Après, un surnom. Comme ça, un lapin. Je vais appeler Laminus. Ça commence comme lapin. Voilà. Et après je mets Minus. Parce qu'il a un signement. Donc là. Hop, hop. Laminus. Je n'ai même pas envie d'aller au centre Pokémon aller soigner.
Oh, Linard, content de voir. Mais où peut bien se trouver Flora? Ouais, la tueuse, elle est où? Quoi qu'elle nous a tué? Aucun Pokémon, en fait. C'est le Makuhita, qui était assez dangereux. Franchement, ça a été assez chaud. Je pouvais pas le one-shot avec avec Petit Piaf. Je pense qu'il pouvait me one-shot avec ce qui me restait de points de vie. Je me demande si Eldacius est simplement efficace. Je regarde. De toute manière, qui ne tente rien n'a rien. Ouais. En fait, si j'attaquais avec Petit Piaf, il me le tuait. Et là, c'était vraiment la fin de Isarico. Mais donc, fallait qu'il fasse un switch. Mais je pouvais pas switcher sur n'importe quel Pokémon, donc j'ai choisi Galifeu. Et après, après c'est boosté. J'étais assez mal. Ouais, donc, Eldacius n'est pas très efficace. Champion niveau 16. Méga Sensu. Ah, mais... pour l'instant, ça va bien. On s'en sort. Il est évolué et apprend Méga Sensu. Donc là, on fait Cruel, Méga Sensu. J'espère que l'intelligence artificielle, parfois, ce serait surprenant de voir que c'était vraiment une intelligence. Bon. Beoran, Bécitrus, Beoran. Je pense que c'est plus 10 points de vie. Coup de main, mais cela échoue. Méga Sensu. Après, je vais. J'ai acheté des empires super rares. Pas sûr. Ouais, non, quitte à... quitte à prendre un peu de temps, je vais rentrer aussi. Pokémon. Ouais, non, encore deux au rang, ça va. Attaque. Quelle? Ah oui, c'est vrai. Il devient plus rapide que Champipi. Oui, parce que la paralysie, ça divise la vitesse par deux. La brûlure, ça divise l'attaque par deux. Allez. Et nous voilà avec un gros piaf. On a un gros piaf dans notre équipe. Bon. Du coup, on a quasiment tout. Il faut que je re-regarde. Il a quoi? Charthor.
Charter qui le starter de type O, donc il a Balignon. Balignon en première position, après il envoie Charter et après il envoie Flobio tranquille. Faut tanker ouais. Faut tanker les deux, donc j'envoie en première position, donc pour l'instant. Hop. Bon. Je crois que après cet endroit, on doit être tranquille. Il y a juste à certains endroits où faut éviter des combats à cause des explosions, mais sinon ça va. Le champion de type électrique, ouais. Le prochain, c'est le champion de type électrique. Donc, et donc on est assez mal là. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon. Là, je parie encore Posipi et Negapi. Hein. Pourquoi faire original quand on a plein de Pokémon? Quand on a deux Pokémon qui sont exactement pareil, bon. La couleur, elle change, le plus et le moins, ça change. Eh mais ils avaient des pays, j'aurais pu les choper. Critique. Oui, la retente, ça fait vraiment pas mal. Crunch, c'est 60. Pourtant, 90, 45. Non, ne me dis pas que l'arcin, il est... c'est spécial. Oh non, l'arcin, c'est spécial. Ok, ça lui sert à rien, l'arcin. Donc... je regarde... dès son attaque spéciale, mais je crois que c'est vraiment mauvais sur un Edel. J'ai fait une erreur de lui mettre. Moi je crois que c'est spécial. Ouais c'est ça, c'est spécial. Sinon ça aurait frappé autant que Cruel, quasiment. Ah ça c'est vraiment dommage. J'ai pas fait gaffe. Donc Loskitty tranquille. Pokémon normal. Je crois que Delcati c'est normal ténèbre, je crois. Après vous me direz si je me trompe pas. Je suis pas à l'abri des erreurs. Donc là, tranquille. Arg, Maline sur mêlée. Allez, viens te battre. Magikarp. Allez, méga sensu, tranquille. Pas de problème. Champipi a gagné 21 points d'expérience. Tentacool. En espérant qu'il a pas la capacité qui fait mal.
Ah oui, il est... Ah merde. Ouais, il est confus, donc... Switch, hein. Ah, mais j'aurais pu mettre... Non, franchement, j'ai pas envie de me servir dans les gapis. Je pense qu'il va... servir au même rôle que Waf, c'est-à-dire faire un switch intelligent. Switch sacrifice. Plutôt. Faut que c'est c'est assez intelligent de sacrifier un Pokémon pour mieux se placer. Et, même si c'est horrible. C'est une des choses du combat en défini. Là, hop. Mille de jeu, claque. Première position. Regardez sur quoi j'aurais pu. Bon. Mais. Tout pour me contredire, hein. Ouais, j'aurais pu tomber sur des... Dynavolt. Gloopty. Bon, Gloopty, il... C'est assez dur de l'utiliser. Je pense pas que je l'aurais utilisé. Parce que je crois que son évolution se joue avec des stockages. Je déteste ça. Donc, Bon, lui, quadruple... Voilà. En plus, je crois qu'il y a eu un coup critique. Doit-il faire x8 Brûlé. Donc là, je pense qu'il m'aurait retiré 4 ou 5 points de vie s'il n'était pas brûlé. 3 ou 4. 4 ou 5, 3 ou 4, je sais plus. En tout cas dans ces eaux là, un peu plus. Donc, combat avec la tueuse, si je me trompe pas. Mamma mia! Ne me dis pas que t'as... Ouf. Heureusement. Heureusement qu'il m'a pas fait une attaque de typo. Oublie une capacité, non. Je joue pas les jeux de Sam, le... Français. Je sais comment te tanker. Petit plat de go. Patience. Ok. Donc j'envoie son pipi. Il va se faire. Se concentre. Je fais pas un sport. Voilà. Je fais méga sensu. Et je prie pour qu'il me one-shot pas. Me one-shot pas. Je suis désolé si je bécaille un peu. Vitesse baisse. Mais toi aussi t'as la vitesse qui est baissée. Voilà. Donc là... Mais elle avait un charter avant. Ok, ni magma. Et donc là, bah...
mal de jeu. La mèche. En espérant que ça brûle pas. Double pied. Bâillement, non. Ouais, donc finalement ça a été. Donc je vais vous laisser là. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ou partager cette vidéo. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye!